Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent, big dédicace à vous toute cette semaine. Oh, j'ai envie de faire une dédicace à tous les frères du quartier qui souffrent de solitude intellectuelle. Wallah, faut dire la vérité. Tu sais, moi j'ai appris et j'ai grandi souvent, c'était à Lisatis, hein, c'était au bar à l'époque, et je me mettais toujours dans la table de Monsef. Monsef avec Hakim, avec... parce qu'en même temps que ça buvait des cafs, ça fumait des renoufs, bah, ça faisait de la géopolitique digne de Arte. Donc on mixait les deux. Et aujourd'hui, il y a plusieurs gens dans les quartiers, ils souffrent de solitude intellectuelle. Ils n'ont pas le choix, enfin ils n'ont pas le choix, mais ils ont des potes en bas des tours avec qui ils ont grandi. Bon, ils se reconnaissent en eux, mais il y en a qui sont plus cérébrales que d'autres. Et ils s'ennuient. Ils s'ennuient quand ils sont au quartier, ils s'ennuient quand ils parlent à ces gens-là. Parce que le niveau, il a régressé. Prends, je l'ai montré à la radio, hein, prends une interview des jeunes des années 80 de Vénitieux, comparé à aujourd'hui, mais wallah l'adhim, on est revenu à la préhistoire. Verbalement, cérébralement, on régresse, on est revenu à la préhistoire. Va voir le français qui parle. De quoi rendre jaloux Molière, bordel? Regarde maintenant. La dinguerie, je l'ai terminé. C'est de la merde. Alors, j'ai pas envie de vous dire, nous avant on avait tous eu le bac, parce que le bac à sable, il veut rien dire maintenant. Mais à l'époque, il voulait dire Haja. Il voulait tellement dire Haja, le bac, que ça faisait des fêtes. C'était les premières booms des cousines. Ouais, si, c'est vrai. Où leur maman, ça leur laissait la salle à manger, avec des petits bonbons, elle invitait les copines. Eh oui, maintenant le bac, on s'en branle le bac. Tout le monde l'a, le bac. Donc, wallah, c'est important. C'est important de rendre hommage à tous ces gens-là. Et veuillez venir débattre avec nous à la radio, parce que c'est intéressant d'avoir leurs témoignages. Parce que ces gens-là, ils sont obligés d'utiliser la taqiya. Les pauvres, ils sont là, leurs potes avec qui ils ont grandi, ils les aiment bien, mais c'est des hamars, ils n'ont pas de cervelle, ils n'ont pas de cérébralité, donc ils n'ont pas d'humour, ils n'ont pas de recul. Comment voulez-vous plaire aux femmes? Quoique les femmes, maintenant, elles s'en branlent de ça. Elles sont encore plus hamara et claquettes que les mecs. Hein, je m'en rappelle. Vous vous rappelez, vous, au lycée? Quand on parlait sur une fille, on disait quoi? Elle est mignonne, mais en plus, elle a sauté une classe. Elle est mignonne, mais en plus, elle a des méchantes notes. Il y avait cet aspect qui rentrait en compte. Maintenant, elle est bonne, je vais lui faire un halal, malgré qu'elle est partie à Barbé. Elle s'est refait, je vais égorger un mouton pour une traînée. Maintenant, vous égorgez des moutons pour des traînées, pour des voitures d'occasion qui fument bleu. Wallah, vous égorgez des moutons, vous faites des halal à des femmes qui ont 500 000 km, c'est un camion.